Levons-nous pour la prière. Ô Dieu Tout-Puissant et le Père Céleste, nous te bénissons pour l'appel que tu nous as lancé. Nous te bénissons pour la place que tu as préparée pour chacun de nous au ciel. Nous prions, Seigneur, que nous n'allons pas rater ce lieu au nom de Jésus. Et comme tu l'as dit, tu as placé la course devant nous, dans ta force, dans ta puissance, dans ta grâce et dans ta capacité, nous allons courir. Dans la force du Seigneur, nous allons courir. Avec ta grâce toute suffisante pour nous, nous allons courir et faire cette course. Personne parmi nous ne va tomber sur le chemin. Ta grâce, ta puissance, ta force ne vont pas manquer à qui que ce soit parmi nous. Il n'y aura pas de défi qui va venir à qui que ce soit parmi nous que ta puissance ne pourra pas nous aider à supporter. Nous allons tenir ferme. Nous allons œuvrer. Nous allons courir. Nous allons te servir jusqu'à la fin. Et je prie, Seigneur, que tout le monde, te servant avec fidélité, que cela soit dans cette retraite ou jusqu'à la fin de leur vie, et ceux qui te servent, t'ont servi tout le temps de cette retraite, tous les jours de leur service sera pour chacun de nous au nom de Jésus. Si le peuple du monde, les gens de ce monde qui servent le diable sont contents et sont en train de courir, les gens qui servent le Seigneur doivent être contents. Rends ton peuple content. Rends ton peuple content et en bonne santé. Et fais qu'ils aient la joie de te servir au nom de Jésus. Et que toute la joie que tu nous accordes soit au-dedans de nous comme une rivière qui va nous pousser à te servir jusqu'à la fin. Encore une fois, bénis ton peuple aujourd'hui. Au nom de Jésus, le puissant nom, nous avons prié. Que le Seigneur vous bénisse pour vous asseoir. Nous verrons dans Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, le verset 32. Luc 12, 32. Ne crains rien ou ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le Seigneur est en train de nous rassurer ici qu'il n'y a rien qui doit nous donner de la peur. Il a dit de ne pas avoir peur, ne crains point, petit troupeau, car c'est du plaisir de ton Père de te donner le royaume. Il va vous donner le royaume. Dans 2 Timothée 4, 2 Timothée chapitre 4, le verset 18. 2 Timothée chapitre 4 et le verset 18. Et le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise. Et il me sauvera pour me faire entrer dans son royaume céleste. À lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Quand nous courons, nous menons cette course que le Seigneur a placée devant nous. Il est en train de nous accorder l'assurance, de nous donner l'assurance de qu'il va nous préserver de toute chute, de tout danger. Il va nous préserver de tout ce qui peut nous affaiblir et qui peut arrêter notre course jusqu'à ce que nous ayons trouvé la fin au nom de Jésus. Ne crains point. Fais la course pour atteindre le but. Fais la course. Mène la course pour atteindre le but. Faut pas regarder derrière. Tout ce que tu vois derrière toi, lorsque tu regardes ces champs, faut avoir le regard sur ceux qui sont déjà passés. Et tu continues d'aller de l'avant. Tes yeux sont placés sur le but, sur l'objectif, sur la destinée d'un vrai enfant de Dieu. Jusqu'à ce que vous atteigniez le but, vous savez que vous ne devez pas vous arrêter en chemin. Vous devez continuer jusqu'à ce que vous atteigniez le but. Et le but c'est quoi? C'est d'aller au ciel. Le but c'est d'aller dans ce royaume qu'il a établi pour nous. Et vous ne devez jamais déplacer votre pensée, votre focus sur ce but. Et il dit à tout moment de la journée, jusqu'à la fin, jusqu'à ce que vous atteigniez ce but. Nous considérons trois choses. Numéro un, courir sans les souillures et les fureurs de notre société. Courir sans avoir peur des furies et des fureurs. Numéro deux,
c'est moissonner les moissons, les champs, et rassembler des fruits pour le Sauveur. Numéro 3, atteindre la plénitude de sa stature. Atteindre la plénitude de sa stature. Ou de son statut, j'allais dire, de son statut. Alors, numéro un, c'est de courir cette course sans avoir peur des furies et des souillures de notre société. 1 Corinthiens 9, verset 24 nous dit ce qui suit. Que ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Ceux qui courent, ils doivent se libérer de tout ce qui les empêche d'aller de l'avant. Tout ce qui s'attache à eux afin qu'ils puissent marcher ou courir correctement. Ils vont courir avec un focus. Ils vont courir avec leur attention fixée sur le but, sur la course qu'ils sont en train de mener. Et s'ils ont quelques douleurs dans leurs pieds, ça peut les déranger. S'il y a quelque chose derrière eux, ça peut les déranger. S'ils ont quelque chose qui est en train de les peser, qui est en train de peser sur eux, ça va avancer, ça va les empêcher d'avancer. Alors, ils vont se libérer de ces choses qui peuvent les retenir leur vie et vont mener la course avec fidélité. Il continue de dire que, verset 25, il dit que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Tous ceux qui combattent, qui essaient d'aller de l'avant, qui essaient de posséder la victoire, qui essaient de posséder le trophée, il dit qu'ils s'imposent toute espèce d'abstinence dans toute chose. Et il va contrôler toute chose. Et dans sa bouche, contrôle toute chose. Il met toute chose, il contrôle tout, il fouille tout. Avant de pouvoir le faire, il s'impose toute espèce d'abstinence. Il regarde à tous les côtés de sa vie et il voit sa communication, il regarde ça, son compagnon, il regarde sa compagnie, il regarde ça, les lieux qu'il visite, il regarde ça et il fixe l'objectif devant lui à tout moment et quel que ce soit dans sa disposition, quel que ce soit dans sa vie personnelle, quel que ce soit qui pourra s'imposer à lui et qui l'empêcherait d'aller de l'avant de cette course, il va tout faire pour s'imposer toute espèce d'abstinence et se libérer de ces choses. Et il en faut pour obtenir une couronne corruptible. Il parle des couronnes corruptibles. Il parle des gens, les coureurs, les athlètes de cette vie, de ce monde. Il dit maintenant, mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Maintenant, vous devez rendre cela personnel. Que moi, mais donc je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme fuyant l'air, battant l'air. Alors il dit que vous devez tout faire pour avoir la possibilité de courir comme cela se doit. Il a dit que toute partie de mon corps, je laisse ça, le désir que j'ai, toute partie de tout ce qui est en train d'aller dans mon affection. Il dit que vous devez tout faire pour amener toutes ces choses-là sous votre contrôle. Et je contrôle tout. Je ne laisse pas ma pensée me contrôler. Je mets tout sous mon contrôle. Et je fais tout. Mes pieds ne peuvent pas aller n'importe où elles veulent. Mais je mets cela sous mon contrôle afin que lorsque j'aurai prêché aux autres, moi-même, je ne sois pas rejeté. L'apôtre Paul entend de dire que je suis en train de penser à ma vie. Et vous savez qu'il a rencontré le Seigneur sur la voie de Damas. Et il a entendu la voix de Dieu très clairement. Que ce qu'il avait reçu était spectaculaire. Sa rencontre était spectaculaire. Sa conversion était spectaculaire. Et malgré cela, il dit que s'il doit aller de l'avant, il y a la possibilité d'être toujours encore un rejeté. Voilà celui qui est allé au troisième ciel. Il a entendu des choses qui ne sont pas permises aux hommes d'entendre. Il a dit, révélation qu'il a eue avec tous ces mystères qu'il a compris et avec les visions qu'il a eues, la gloire du ciel qu'il a eue de ce roi qui doit venir, qu'il a vu.
Il a dit que je place toujours, je traite durement mon corps. Je traite durement mon corps afin que, après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. Je vais placer les autres dans le royaume et moi-même je serai rejeté. Non, je dois traiter durement mon corps. L'apôtre Paul pensait à cela. Il n'a jamais pensé à la sécurité éternelle pour qui que ce soit ou pour lui-même. Et il a dit que s'il doit continuer d'être sauvé, nous sommes aussi accompagnés d'un monde de témoins, un monde de témoins comme Moïse que nous voyons dans David, un monde de témoins que nous voyons dans Salomon, un monde de témoins que nous voyons dans Samson, un monde de témoins que nous voyons dans Saul, un monde de témoins que nous voyons dans Judas Iscariote. Nous sommes entouré d'un nombre de témoins, des gens qui ont commencé, des gens qui couraient et ils n'étaient pas libres de la souillure de la société. Ils n'étaient pas libres des fureurs de la société ou des peurs de la société. Pensez à tous ces gens que nous venons de mentionner et vous devez tout faire pour faire que si ça c'est arrivé à Samson, ça peut m'arriver également. Si cela arrivait à Salomon, cela peut m'arriver également. Si cela peut arriver à David, cela peut m'arriver. Et c'est pour cette raison que l'apôtre Paul est en train de dire, que je cours, pas comme battant l'air, comme non, pas incertain, mais je cours et je regarde au but et je fais tout pour que mon corps soit assujetti. Je place tout sous mon contrôle afin qu'après avoir prêché aux autres, moi-même je ne sois rejeté. C'est pourquoi, frère, je ne veux pas que vous ignorez. Il dit que nous sommes rencontrés, nous sommes trouvés, entourés de beaucoup de témoins. Il dit maintenant que vous, c'est vous qui devez déterminer ce qui doit être fait pour vous. Les poids qui vont vous retenir, vous devez tout faire pour vous en défaire. Les choses qui vont faire que vous allez baisser les bras, vous devez tout faire pour les laisser de côté. Ce qui va amener la condamnation, la culpabilité, et c'est une pierre très très lourde. La culpabilité ne vous permettra pas de marcher ou de courir tel que vous devez courir. Et il dit que cette sorte de poids qui... ce sort de poids qui va vous diviser et va vous empêcher de courir de la façon dont vous avez couru. Il dit, ce poids qui va vous retenir, vous devez les laisser de côté. Vous pouvez dire que j'ai laissé certains poids de côté, mais à tous les jours, il y a tous les défis. Il y a de nouveaux défis. Toutes les saisons, il y a de nouveaux défis. Et ils vont dire que tout ce que cela peut être, l'état, le temps, le poids, quelle que soit la période, vous devez toujours considérer la saison dans laquelle nous vivons et la société dans laquelle nous vivons. La société pense à ceci, la société fait ceci. Tous ces poids de la société qui vont vous retenir par derrière et vous attacher les mains, laissez-les de côté. Maintenant, vous pouvez pas faire cela avec inconscience. Vous devez le faire avec toute conscience. Lorsque vous êtes en train de prendre, de vous décharger d'un poids et que vous poussez ça de côté, ou que vous le mettez ça dans un autre lieu pour que cela ne vous dérange plus.
où là vous ne pouvez plus cogner votre pied contre cela, il a besoin d'avoir une détermination, la dédicace et l'effort défini, précis de votre part. Ce n'est pas quelque chose que vous allez dire, tous ces poids vont passer d'eux-mêmes. Non, il faut que tu les déplaces toi-même, il faut que tu les jettes toi-même, il faut que tu les mettes de côté toi-même. Alors, mettons de côté tout poids et le péché qui nous surmonte si facilement. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de regarder la vie des autres pour voir ce qui se passe chez eux, mais ils ne voient jamais ce qui se passe chez eux-mêmes. Et il dit qu'ils ne ferment pas la porte contre le péché qui peut les amener à tomber. Contre le péché qui peut les amener s'imposer à eux une tentation qui va venir et qui ne peut pas surmonter. Il dit, il faut mettre de côté tout ce qui peut vous amener à tomber. Et après cela, il faut courir avec patience, mener cette course avec patience, la course qui est établie devant nous. Il a dit, lorsque vous laissez cette course derrière, vous devez tout faire. Je cours, c'est vrai, mais le poids qui est sur votre vie, laissez ça de côté. Le péché qui vous dérange, laissez ça de côté. Je vous pose une question. Au cours de cette retraite, tous les messages que nous avons entendus, et comme vous avez exprimé votre cœur, votre vie devant le Seigneur, quel poids avez-vous laissé de côté? Pensez à cela. Est-ce que nous avons traversé la retraite parce que vous savez, il y a ce poids qui est là, qui va vous retenir, qui va vous bloquer, vous mettre à terre et vous n'aurez pas de progrès. Et malgré cela, vous ne laissez aucun poids avant de partir de cette retraite. Vous n'avez pris aucune décision, vous n'avez pas pris la détermination, vous ne vous êtes pas déterminé pour dire ce poids qui est en train d'avoir la tendance de m'attacher, de me retenir, de me retirer. Je laisse ce poids de côté. Si vous ne l'avez pas fait, pensez à votre vie maintenant. Même maintenant, vous pouvez le faire. Et dites à Dieu, qu'est-ce qui va m'empêcher? Qu'est-ce qui va me retenir? Qu'est-ce qui va retarder ma course? Qu'est-ce qui va me retarder et me diminuer ma vitesse? Quel est ce péché mignon qui ne te laissera pas vivre la vie victorieuse du chrétien, le péché qui vient toujours? Quelqu'un peut penser à cela et veut dire que c'est ce péché auquel il pense souvent. Et ce peut ne pas être ce péché. Ça peut être seulement que c'est cette chose particulière de ta vie. Et c'est devenu une habitude. C'est devenu une partie de toi. Comme on le dit, l'habitude est une seconde nature. Quelque chose qui a pris la place dans ton cœur, qui n'est pas naturellement un péché comme ça, mais qui est en train de t'empêcher d'aller de l'avant. La Bible, le Seigneur dit que c'est ce qui est en train de te retenir et de facilement te surmonter. Laisse ça de côté, tu vas voir un changement remarquable entre ce jour et les jours passés. Et tu verras le changement. Alors, tu vas courir avec patience, avec persévérance, la course qui est établie devant toi. Le verset 2. Ayant le regard sur Jésus. Lorsque vous cessez de regarder Jésus, vous allez tomber. Vous allez échouer. Quelqu'un est en train de courir et il ne regarde pas devant lui. Il regarde ici, il regarde là, il regarde à gauche, à droite. Il ne pourra pas aller de l'avant et courir cette course comme cela se doit. Si tu n'as pas le regard sur Jésus, ceux qui veulent t'attirer, attirer ton attention, regarde-nous. Et les gens là qui vont nous faire pour que tu puisses détourner ton focus de Jésus-Christ, tu faut les laisser de côté. Ils vont dire, il faut aimer ton sauveur, mais il faut m'aimer aussi. Et obéis à ton sauveur, mais obéis-moi aussi. Ils vont dire, cours après ton sauveur, cours après moi également. Et ils vont toujours vous amener à avoir votre focus sur eux. Ils cherchent des esclaves. Ils cherchent des gens qui peuvent, au cou desquels ils peuvent attacher des cordes et les tirer. Ils cherchent des robots. Ils cherchent des gens qui n'ont pas la pensée une pensée à suivre. Une pensée à connaître. Voici mon appel. Voici ce pourquoi le Seigneur m'a appelé. Voici ce qu'il m'a appelé à faire. Et ils vont vous utiliser à les regarder. Si vous voulez faire la course et continuez jusqu'à la fin, vous devez avoir le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. C'est lui qui est l'auteur de notre foi. Et c'est lui seul qui est le parfait, celui qui peut accomplir et qui peut être celui qui peut consommer notre foi.
Et c'est lui, la foi que Christ a donnée de façon originelle. Il s'est levé et il a suivi le Seigneur. Il a continué. Il a autorisé cela. Il a fait sortir cela. Il a créé cela. L'origine, c'est lui. Et il vous a donné cela au commencement. Et c'est lui qui est le seul. Le seul qui sera le consommateur, c'est-à-dire celui qui va parfaire cette foi à la fin. Alors, si vous avez un héros dans votre cœur, vous avez un héros religieux, vous avez un héros dans votre cœur, un héros dans le monde, et vous regardez toujours à ce héros de ce monde, alors il ne peut pas vous parfaire votre foi. Il ne sera pas le consommateur de votre foi. Il dit que vous devez avoir le regard sur Jésus, c'est lui qui est l'auteur, c'est-à-dire le chef et le consommateur de votre foi. Qui va parfaire votre foi. Vous voyez, j'étais en train de vous parler de mon histoire, de mon témoignage, comment je suis connu, je suis parvenu à connaître le Seigneur et que comment par la grâce de Dieu, j'ai mené la course jusqu'à ce jour et que je garde mes yeux sur Jésus-Christ le Seigneur. Vous devez comprendre que 54 ans, plus que ça maintenant, j'aurais vu des personnalités, des héros, ceci et cela, et je vais le voir dans le monde entier, dans ce continent. Et il y a beaucoup de personnes qui vont dire, et voici là où nous sommes, voici ce que nous faisons, voici ce que nous croyons. Et ils vont vouloir que je regarde à eux, comme les personnes avec lesquelles je vais finir. Ça ne peut pas être ainsi. Je connais l'auteur de ma foi et je connais le consommateur de ma foi. Et ainsi, je ne regarde pas à ces gens. Ils m'ont invité, ils ont parlé, ils ont écrit, ils essaient de me convaincre, mais j'ai dit jamais. Ça ne se passera pas. J'ai choisi la bonne voie. Et voici la voie qui doit être suivie. Jésus est mon sauveur, il est mon sanctificateur, il est mon guérisseur, il est celui qui me bâtit dans le Saint-Esprit et il est mon roi qui règne ou qui régnera. Je ne chante pas seulement à cela, mais je crois cela. Je ne chante pas seulement cela, je me tiens sur cela. Je n'écoute pas seulement cela ou chante seulement cela, mais je le suis. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi. Vous devez prendre votre décision et être déterminé de cette façon, savoir rien ne va détourner votre focus. Donnez-moi un bon amen. Et cela doit venir avec une décision. Une décision qui doit être aussi précise comme votre salut. Et vous allez vous agenouiller et dire, Seigneur, aujourd'hui, bien que je sais que je suis sauvé, je sais que je suis enfant de Dieu, je suis en train de prendre une décision. Je vais toujours avoir le regard sur toi. Je vais toujours te prendre comme le modèle, comme le chef de mon, le consommateur de ma foi. Je t'ai pris déjà comme mon chef, comme l'auteur de ma foi. Mais je te regarde à tout moment. Tout ce qui va arriver entre toi et moi, je vais tout faire pour les mettre de côté. Tout ce que et toute chose, tout homme, toute femme, toute relation, tout compagnon et toute idée, toute œuvre, tout travail qui va venir entre toi et moi, je le laisse de côté. Je mets tout ça de côté. J'ai le regard sur Jésus. Quelque ami qui va venir entre toi, se mettre entre toi et Jésus. Quelque parent qui va se mettre entre toi et Jésus. Quiconque sur la terre qui va venir entre toi et Jésus, tu dois mettre tout cela de côté et tu as le regard sur Jésus, l'auteur et le consommateur de ta foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez. En effet, celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, les pharisiens, ils étaient des gens vraiment rusés, ils pouvaient distraire Jésus, les sadducéens étaient également là, ils étaient des gens qui étaient vraiment consistants dans leur venue vers Jésus pour le tenter. Il pouvait tout faire pour le contrarier. Mais toutes ces choses, Jésus les a vaincues. Et il a tout supporté. Est-ce que c'est moins pour vous afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée? Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en fuyant ou en luttant contre le péché. Regardez le verset 4. Vous allez résister contre le péché. Vous vivez
le péché, vous laissez le péché mignon de côté. Les autres péchés vont vouloir venir. Les gens vont désirer la vie facile. Ils veulent la vie convenante. Et le péché va venir. Les péchés vont venir. Et les pécheurs également vont venir. Ils vont dire, vois ceci qui est en train de venir maintenant, ce qui est en train d'être fait maintenant. Ils ne vont pas pouvoir résister jusqu'au sang. Et c'est ce que vous devez faire. C'est ce que vous devez faire. Et je dois vous le dire. Il y a des défis qui sont venus. Je ne savais pas que Dieu me suscitait ainsi pour devenir un leader, un pasteur, un prédicateur d'une église comme la vie chrétienne profonde. J'étais seulement un croyant. J'étais juste un croyant ordinaire dans ma vie privée personnelle. Et alors, on est allé à l'école, de l'école, on est allé. Je vais commencer. Je suis né de nouveau sous un athée militant, un militant athée qui voulait que tous ceux qui sont sous lui soient comme lui. Il ne croyait pas en Dieu. Il disait que Dieu n'existe pas. Et moi, j'ai dit non. Et j'ai dit quelque chose qui l'a rendu mécontent. Il était tellement mécontent que celui dont je parle maintenant, c'est un leader. Il est un leader dans l'éducation. Il est un point de repère. Mais moi, nous sommes les enseignants et nous parlons aux élèves. Je dis, élèves, écoutez-moi bien. Le principal ou le directeur était là et j'ai dit, un sac vide ne peut pas tenir droit. Vous pouvez donner beaucoup de choses au sac, ok, peindre le bas, le sac, mais le sac qui est vide ne peut pas tenir. Sans Dieu, sans la grâce, sans sa force, vous ne pouvez pas tenir debout. Je m'en fous. Peu importe le motif de votre directeur, vous pouvez croire ce que vous croyez. Si vous êtes un sac vide, vous ne pouvez pas tenir debout. Alors, le directeur était là, il m'écoutait. Après le rassemblement, la cérémonie des couleurs, il a envoyé un message à l'école et il a distribué à tous les élèves. Il a dit que voici, ici ce n'est pas une école religieuse, ici c'est ceci, c'est ceci. Mais moi j'ai dit ce que je devais dire. Un de mes élèves avait visité Magada dans le temps, quelques mois après, et une chose dont il se rappelait, qu'il a transporté de l'école toutes ces années, plus de 40 ans, une chose dont il se rappelait, c'est que j'ai dit à toute l'école, en la présence du directeur de l'école, qui disait qu'on devait croire en Dieu et qui était un athée, qu'un sac vide ne peut pas tenir debout. Et il a transporté ceci dans sa vie jusqu'à ce jour. Il était passé me voir à Bagada. Vous devez mettre quelque chose dans votre tête et courir avec ça jusqu'à la fin. Vous devez combattre contre le péché. Même s'il devait verser votre sang, s'il devait laisser tout ce que vous avez gagné, vous pouvez penser que j'aurais dû penser à la personne qui m'a employé et que je ne devais pas dire quelque chose qui peut me coûter mon travail. Moi, je suis allé à l'université et dans mes jours de l'université, je m'étais concentré sur ce sur quoi je devais faire. J'ai étudié mes maths. J'ai étudié également ma Bible et nous avions un chef de département et à l'université. Lui, il était pour les choses traditionnelles, pour les choses culturelles. Et cet homme était très dur. Il était un professeur très dur. Si vous êtes en désaccord avec lui, les gens disent souvent que tu ne peux jamais sortir avec un diplôme de cette institution. Mais moi, j'étais un chrétien déjà, un croyant. Et il a dit dans la salle de classe, dans notre quatrième année, et il a dit que voilà, élèves, étudiants, je vous invite tous à venir dans ma maison et j'ai le vin de palme pour vous tous à boire. Et vous allez boire. Alors, les élèves se sont regardés et ils ont regardé là où j'étais assis, ma direction. Ils ont dit, il t'a oui aujourd'hui. Nous sommes dans la dernière année maintenant. Tu ne vas pas là-bas, tu sais que tu n'auras pas de diplôme ici. Il est le chef de département, il peut faire ce qu'il veut faire. Et alors, je n'ai rien dit. Il dit que je vais vous préparer spécialement. Il parlait. Et il disait combien de chaises je vais mettre là, combien de verres je vais mettre là. Il parlait encore. Et si vous devez venir, levez votre main. Et tout le reste a levé sa main. Excepté qui? Excepté William.
Mais écoutez-moi, William veut dire le défenseur de la foi. Je ne savais pas que c'était ainsi, oh. Je ne connaissais pas, mais je savais que c'était mon nom qui était William. Mais je n'ai pas levé ma main. Il a regardé à ma direction, il m'a indexé. Il a dit, et toi, tu ne veux pas venir? J'ai dit, non monsieur, je ne viendrai pas. Il a dit, pourquoi? J'ai dit, parce que moi, je suis un né de nouveau, un chrétien né de nouveau. Il a dit, quelle est cette religion? J'ai dit, ce n'est pas une religion, c'est seulement, j'ai le Jésus dans mon cœur. Et vivre pour Jésus. Il était en colère. Il a dit, cette religion sera effacée dans tout le Nigeria. Et j'ai dit, monsieur, c'est impossible. Et ils sont partis boire leur vin de palme. Je suis resté derrière. Quelques semaines après, avant les examens, je vous donne le témoin de ce que Dieu a fait pour moi. Écoutez-moi très bien. Lorsque le résultat est sorti, dans mon département, dans ma faculté, dans toute l'université, 1967, j'étais le premier étudiant dans toute l'université. J'étais le premier. L'homme qui voulait que je tombe, que je compromette pour aller boire du vin de palme, et j'ai dit, Koumoui, ce n'est pas une grande affaire. Je ne vais pas boire. Vous devez combattre contre le péché jusqu'à ce que, même si vous devez perdre votre vie, perdre le diplôme, vous êtes prêt. Vous serez prêt au nom de Jésus. Je vous ai parlé au moment où j'étais à l'université et également au secondaire. Je suis allé à UNILAG, c'est-à-dire l'université de Lagos, pour avoir le diplôme, c'est-à-dire que le master et consort. Et tout se passait très bien jusqu'à ce que un des professeurs était venu et le sujet, ça veut dire la matière était obligatoire. Vous pouvez réussir dans toutes les autres matières. Si vous échouez dans sa matière, c'est que vous avez échoué. Vous ne pouvez pas passer avec un diplôme de cette université de Lagos. Il va venir dans la salle de classe parce qu'il savait qu'il était indispensable. Il faisait le gros dos. C'est comme si sa classe était spéciale. Son sujet était, sa matière était spéciale. Et l'université a fait que cette matière est obligatoire pour tous les étudiants. Si vous ne réussissez pas, il va venir dans la, et vous ne voulez pas, il vient dans la salle de classe, il parle des choses, des bêtises. Il va parler de l'immoralité, parler des filles, parler de, des choses souées. Il disait des choses souées aux étudiants. J'ai levé mon doigt. Les autres élèves ont tourné la tête, ils ont dit, maintenant il veut souffler quelque chose maintenant. Lorsque j'ai levé mon doigt, il a dit, oui, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, nous sommes des adultes dans cette salle de classe. Nous avons traversé beaucoup de choses, nous sommes allés, nous avons fait le premier cycle, ici c'est le second cycle. Toutes ces choses dont tu parles ne sont pas parties, ne font pas partie du syllabus, ce n'est pas partie du programme. Alors, je voudrais vous demander gentiment de cesser de dire ce que vous dites et d'enseigner ce que vous devez enseigner. Il a dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Je suis l'enseignant. Je suis ce Dieu. Je dis, oui, c'est vrai. Mais nous sommes des adultes. Ne parlez pas comme ça pour nous de ces bêtises-là. Nous ne voulons pas entendre. Moi, je ne veux pas entendre ces bêtises. Moi, je suis un chrétien né de nouveau. Un chrétien comment? Né de nouveau. C'est ça. Il s'est mis en colère. Nebuchadnezzar peut devenir, il peut se mettre en colère. Mais moi, je vais aller au ciel. Quelqu'un là-bas, où est-ce que tu vas? Il est venu dans la salle de classe le second jour. La seconde fois où il doit nous donner le cours. Il était venu sans préparer aucune matière, aucun cours. Il est venu pour me montrer ce que je ne veux, c'est-à-dire que je vais entendre de mauvaises histoires ce jour-là. Il a parlé de rien et du tout. Et je savais que je ne devais pas rester dans cette salle. J'ai pris mes affaires et j'étais sorti de la salle. Mes oreilles ne vont pas entendre des bêtises. Et vous, qu'en est-il de vous? Mes yeux ne vont pas voir des bêtises. Qu'en est-il de vous? Et rappelez-vous,
sa matière était obligatoire. J'étais sorti de la salle de classe. Si je ne dois pas avoir un diplôme, j'ai déjà eu assez. Je dois garder mon salut. Est-ce que quelqu'un là-bas qui veut garder son salut? Y a-t-il quelqu'un là-bas? Vous allez garder votre salut. Ce mois précis, ce professeur était dans le rapport. Il a eu problème avec l'université et on l'avait renvoyé. Et on nous a dit que cette matière n'était plus obligatoire. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire. C'est devenu optionnel. Ce n'est plus obligatoire parce qu'on a déjà établi l'examen et on a dit que ce n'est plus obligatoire. Ce sujet, cette matière n'est plus obligatoire. J'étais encore sorti avec excellence. Si vous servez le Seigneur, si vous tenez avec le Seigneur, si vous en foutez pas mal de ce que les gens disent, ce que les gens font, et vous dites, je vais faire la course, le Seigneur va vous supporter. Le Seigneur va vous promouvoir. Et le Seigneur va vous élever au nom de Jésus. C'est comme si, et ils vont dire que nous n'avons pas encore commencé. Regardez le verset 4 de Hébreux chapitre 12. Il dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. C'est cette façon qu'il voudrait que nous marchions, que nous courions, que de courir avec toute notre pensée, notre corps, notre âme, rien laisser derrière et ne pas nous en faire de ce que nous allons perdre ou de ce que nous allons gagner. Tout ce que vous pensez vous allez perdre, le Seigneur va les multiplier. Beaucoup de bénédictions sur votre vie au nom de Jésus. Nous considérons Psaume 119. Psaume 119, le verset 30. Psaume 119, le verset 30. Je choisis la voie de la vérité. C'est un choix personnel. Vous devez décider que je vais servir le Seigneur et je vais faire la course qui est établie devant moi. Je choisis la voie de la vérité. Je place tes lois sous mes yeux. Le verset 32, je cours dans la voie de tes commandements. Je vais courir, c'est ma décision, c'est ma détermination. Et c'est ma destinée. Voici mon choix, le choix de Dieu pour moi. Moi, je vais courir dans la voie de tes commandements, car tu élargis mon cœur. Il va le faire pour vous au nom de Jésus. Point numéro 2. Moissonner les champs et rassembler les fruits pour le Sauveur. Nous considérons Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. Le verset 34. Jean 4, le verset 34. Jean 4, 34 dit, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ça, c'est Christ. Et il dit ici que nous avons les regards sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Et il dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Vous devez connaître celui qui vous a envoyé. Si c'est Christ qui vous a envoyé, si c'est Dieu qui vous a envoyé, si c'est le Saint-Esprit qui vous a envoyé, vous devez connaître celui qui vous a envoyé. Et vous ne devez pas, au milieu de la voie, abandonner celui qui vous a envoyé. Et vous allez commencer par regarder à gauche, à droite, à celui-ci, à celui-là. Lui n'a pas été envoyé. Vous regardez à cette fille, elle ne vous a pas envoyé. Vous regardez à ce jeune homme, ce n'est pas lui qui vous a envoyé. Vous regardez à ce monsieur, ce n'est pas lui qui vous a envoyé. Regardez à celui qui vous a envoyé et engagez-vous à celui-là qui vous a envoyé. Savoir que quel que soit le prix que vous devez payer et quel que soit la tunnel dans laquelle vous devez passer ou le défi que vous devez traverser, que c'est lui qui vous a envoyé. Il m'a envoyé d'aller pour moissonner dans son champ et je souhaite de moissonner pour le Sauveur. Regardez le verset 35. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson. Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème
et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. Il est en train de parler de notre de ce que nous allons sortir pour atteindre les âmes. Vous savez, personne ne m'avait dit de sortir pour aller gagner les âmes. Je savais. Je n'avais jamais entendu parler. Un seul message n'a jamais parlé de cela. Je n'ai jamais entendu un message qui disait de sortir pour aller gagner les pécheurs, pour aller parler aux gens de l'évangile et les amener dans le royaume de Dieu. Personne, aucun homme, aucun prédicateur, aucun pasteur n'avait jamais étudié ou bien enseigné. Depuis 1964, depuis que je suis devenu croyant, on parlait seulement de la sainteté, aller au ciel, on parlait de comment choisir les pasteurs, et les pasteurs seuls étaient les gens qui pouvaient prêcher. Et je l'ai lu dans ma Bible. Et il a dit à tous les disciples, il a dit, venez après moi et je ferai de vous. Et dit, ils ont enseveli leur corps pour aller prêcher l'évangile. J'ai pris cela. Et les gens qui devaient m'encourager pour le faire, c'était eux qui devaient m'encourager pour continuer de prêcher. Ils m'ont appelé pour dire, qu'est-ce que tu es en train de faire? J'ai dit, mais je prêche la parole. Je suis en train d'évangéliser. Je suis en train de dire aux gens qui sont des pécheurs de venir dans le haut Seigneur. Et ils m'ont dit, tu ne peux pas faire cela. J'ai dit, mais pourquoi? Et ils ont dit que dans leur église, ils ne croient pas en cela. J'ai dit, ah, mais bon, mais regardez la Bible, non? C'est dans la Bible, ils ont dit, faut pas prouver têtu. Ce n'est pas de la Bible que nous passons. Nous parlons de notre doctrine dans notre église. Mais j'ai dit, moi, je suis hors de ça. Et c'est pour cette raison qu'ils ont eu de prendre avec moi, ils m'ont chassé de leur église. Mais j'ai dit, quel que soit ce que la conséquence peut être, je vais tenir sur ce que j'ai lu dans la Bible. Et ils m'ont renvoyé. Et ils m'ont renvoyé vers vous. Dieu merci, vous êtes venu à moi. Et je vous le transfère. Vous allez servir le Seigneur. Vous savez, ça c'est le servir le Seigneur. Ça c'est ce qu'on appelle servir le Seigneur. Je suis allé à plusieurs endroits dans le monde entier. Et vous savez, lorsque nous sommes allés à l'évangélisation, nous avons dormi même par terre. À même le sol. Nous avons mangé des nourritures ordinaires, nous n'avons même pas... je suis même allé avec les transports publics, je suis allé à beaucoup d'endroits du pays, prêchant la parole du Seigneur, parce qu'il m'a envoyé. Et vous devez connaître, celui qui vous a envoyé, et plus tard, la vie profonde, organise ceci, organise ceci, organise ceci, nous avons ceci, nous avons cela, nous avons cela, et nous pouvons maintenant utiliser l'avion, les voitures, tout ça, ce n'était pas là. Mais moi, je disais... Avion ou pas avion, je vais faire ce que le Seigneur m'a appelé de faire. Vous allez faire ce que le Seigneur a ordonné de faire. Et vous ne serez pas fatigué. Je dis, vous ne serez pas fatigué. Regardez-moi le verset 37 maintenant, car en ceci, ce qu'on dit est vrai. Autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. Je vous ai envoyé. Dieu merci, il m'a envoyé. Qu'en est-il de vous? Dieu merci, il m'a envoyé. Qu'en est-il de vous? Dieu merci, m'a envoyé. Qu'en est-il si j'avais baissé mes bras, croisé mes bras, si j'étais resté assis? Qu'en est-il si je n'avais rien fait? Qu'en est-il si j'attendais que quelqu'un vienne me dire d'abord, oh, c'est bon, tu es ouvrier, viens faire ceci, viens faire cela. Si j'attendais sur la voie qu'il voulait que j'attende et me concentrer sur ce qu'il disait, quelque chose... que le Nouveau Testament n'a pas, mais sur laquelle le Nouveau Testament n'a pas mis l'emphase, et que j'abandonne l'œuvre qu'il m'a envoyé à faire. C'est ce que vous faites. Vous avez entendu plusieurs fois, mais vous croisez vos mains, vous croisez vos bras, vous entendez, mais vous êtes assis. Vous avez entendu, mais vous ne faites jamais rien à propos de cela. Vous vous demandez qu'est-ce que je vais gagner, qu'est-ce que je vais perdre, tout ça. Vous êtes trop attaché à la personnalité religieuse. Et c'est ainsi que vous ne faites rien de cette œuvre du Seigneur. Et vous ne pouvez pas laisser votre vie sur l'autel et dire, Seigneur, je vais te servir. Vous allez servir le Seigneur. Je vous ai envoyé à moissonner ce que vous n'avez pas travaillé. D'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Point numéro 3. Est-ce que nous considérons maintenant moissonner la moisson? Point numéro 2, moissonner la moisson et moissonner les champs, j'allais dire, et rassembler des fruits pour le Sauveur. C'est de ça que nous parlons. 1 Corinthiens 9, le verset 16. 1 Corinthiens 9, le verset 16. 1 Corinthiens 9, verset 16, nous dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée.
Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ça, c'était la pensée avec laquelle j'étais sorti. La pensée avec laquelle j'ai prêché l'évangile, avec laquelle je savais que ma vie était seulement pour une seule chose. Et c'était la pensée que Dieu voudrait que vous ayez, que votre pensée, votre cœur soit fait pour cette seule chose. Et vous êtes en mesure de le dire, que la nécessité m'en est imposée. Si j'ai dit malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Vous n'avez pas dit amen à ça maintenant, oh? Si je le fais de bon cœur, si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, la dispensation de l'évangile m'est donnée. Quelle est ma récompense alors? Il dit, mais si je le fais, il dit que si je prêche l'évangile, je puisse faire de l'évangile de Christ sans charge. Il dit, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Ça dit que je ne vais pas construire de tout pour moi-même par l'évangile. Quelle que soit ma récompense, c'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Gagner le plus grand nombre, convertir le plus grand nombre, pour les tourner vers le Christ et les gagner pour Christ. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif. Afin de gagner les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi. Quoique je ne sois pas sous la loi moi-même, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Il a dit quoi? J'ai laissé ma liberté. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai donné ma vie, mes amours et mes déplaisirs. J'ai donné mes idées favorables ou mes idées de favoris. Et j'ai laissé mes convenances, j'ai laissé ma joie et je suis allé au milieu des gens vers lesquels le Seigneur veut que j'amène dans le royaume en leur prêchant l'évangile du salut. Et numéro, le verset 20, avec les Juifs, avec ceux qui sont sous la loi, comme étant, n'étant pas sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas sans loi, afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec les faibles. Je m'étais rendu disponible. Même pour ceux qui sont faibles. Lorsqu'il dit faible ici, il ne parle pas de faiblesse dans le corps. Il parle de faiblesse. Ils sont faibles dans leur compréhension. Je ne mangerai pas ceci. Je vais manger seulement ceci. Je vais toucher seulement ceci. Je vais manger seulement le poisson. Je ne mangerai pas de viande. Ils étaient faibles dans ce domaine. Il a dit avec les faibles, j'étais faible. Afin de gagner les faibles, je me suis fait tout à tous. Personnellement. Volontairement, je m'étais soumis, je m'étais sujet à tout cela, je m'étais soumis à tout cela, je m'étais abandonné à cela, j'étais disponible pour le service. Il dit, je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Le Seigneur vous aidera. Luc chapitre 19, Luc 19, 20, et je vais dire 10, Luc 19, verset 10. Luc chapitre 19, le verset 10. Le verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu sauver et chercher ce qui était perdu. Et je vous transfère cela. Il a transféré cela à tous ses disciples et à chacun de nous. Verset 12. Il a dit donc. Il lui dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit, qu'est-ce qu'il leur a dit? Est-ce que c'est ce qu'il vous dit? Qu'est-ce que vous allez faire? Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Point numéro 2. Point numéro 3 maintenant. Atteindre la plénitude de son statut. Atteindre la plénitude de son statut. Alors, quelle est votre compréhension personnelle de votre appel? Regardez Éphésiens chapitre 4.
Éphésiens chapitre 4, le verset 12. Pour le perfectionnement des saints, c'est pour cette raison que vous êtes venu à la retraite. Pour que vous ne demeuriez point au niveau que vous étiez avant de venir. Peut-être que vous étiez chrétien, croyant avant de venir. Mais la retraite, c'est pour vous faire déplacer de là où vous êtes pour aller de l'avant. Pour le perfectionnement des saints. Numéro 1. C'est pour faire de vous un saint. Pas un saint, un péché lavé. Non. Blanchi. Non. C'est pour le perfectionnement des saints. En vue de l'œuvre du ministère. La raison pour laquelle la retraite est organisée et la raison pour laquelle vous êtes venu, c'est que vous fassiez partie de l'œuvre de son ministère pour l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus, nous, combien parmi nous, je demande, nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Vous savez, il y a des gens qui disent, ça c'est plus ça. Moi, je ne peux pas être comme ça. Regardez encore ceci, il dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Il est resté ferme pour la foi. Il est en train de défendre la foi. Il est en train de supporter la foi. Il est en train de répandre la foi. Ça, c'est lui, ça. Moi, je ne suis pas comme ça. Pourquoi n'es-tu pas comme ça? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Il nous a parlé de certaines des histoires, comment il est resté ferme pour la foi. Il nous a raconté tout ça et il n'a même pas pensé à ce qu'il va perdre en tenant pour la foi. Ça, c'est pour lui ça. Moi, je ne veux pas être comme ça. Pourquoi pas, mon frère? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Jusque-là, il continue de tenir ferme. Regardez-moi, son âge. Il ne se retire pas. Il ne s'arrête pas. Il continue d'être aussi ferme comme il a été depuis le début. Oh, j'aurais souhaité être comme lui, mais je ne suis pas comme ça. Pourquoi tu ne vas pas être comme ça? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Ah, en tout cas, lui, il est un homme. Hein? Moi, je suis une femme. Que veux-tu dire? Il a dit être homme avec la force naturelle qui m'a amené ici. Ou bien est-ce que la conviction qui est dans mon cœur qui m'a amené ici? Est-ce que c'est l'expérience que j'ai eue qui m'a amené ici? Est-ce que la prière que j'ai priée qui m'a amené ici? Est-ce que c'est la façon dont je me suis ajeuné à l'hôtel privé de ma maison que j'ai laissé ma vie, mon temps, mon talent, tout ce que j'avais reçu, j'avais tout laissé au Seigneur? Est-ce que ce n'est pas une expérience très dure? Pourquoi tu dis que je suis une femme? Elle dit que jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état. L'état de quel homme? Je ne vous entends pas. À l'état de quelle sorte d'homme? À l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça, c'est notre appel. C'est ce qu'il voudrait que nous soyons. Il voudrait que nous regardions, que nous ayons la stature. C'est ça, la stature, c'est l'écriture, ça. La stature parfaite de Christ. Et il voudrait que nous soyons comme lui. Et beaucoup d'eau ont pris par le pont. Beaucoup de temps ont été perdus. Et beaucoup a été perdu. Mais à partir de cet instant, jusqu'à ce que je le vois face à face, je ne vais pas baisser les bras. Je vais lutter. Je vais tout faire. Je vais me consacrer. Je vais m'engager jusqu'à ce que j'ai atteint la mesure de la stature parfaite de Christ. Le Seigneur le fera dans votre vie. Philippiens chapitre 3. Philippiens chapitre 3, le verset 12. Philippiens 3, 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Il dit que j'ai eu beaucoup, mais je n'ai pas reçu tout. J'ai atteint beaucoup, mais je n'ai pas tout atteint. Je suis allé à beaucoup, mais je ne suis pas allé à tout. Pas comme je suis déjà parvenu à la perfection. Non, mais je cours pour tâcher
de le saisir tous les jours. Je voudrais que quelque chose soit ajouté, quelque chose de nouveau soit ajouté à mon engagement, quelque chose de nouveau soit ajouté à ma consécration, quelque chose de nouveau soit ajouté à ma dédicace, quelque chose de nouveau soit ajouté à mon épine dorsale, quelque chose de nouveau soit ajouté à ma conviction, à ma conscience, à mon courage, quelque chose de nouveau soit ajouté à mon intrépidité. Il dit que je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose tous les jours. Je fais une chose. Je voudrais regarder à Jésus plus. Je voudrais partager ou déverser les poids qui vont me retenir. Je vais toujours me défaire de ces poids. Je vais toujours avoir les choses qui s'attachent à ma vie, me détacher de ces choses afin d'être libre de suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais courir encore, lutter encore, gagner plus d'âmes. Je voudrais sortir pour aller vers beaucoup de gens encore. Je voudrais m'enfoncer encore dans la profondeur de la conscience, dans la sainteté, dans ma vie, dans mon cœur. Cette chose, une seule chose que je fais. J'oublie les choses qui sont dans le, qui sont en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours, je cours, je cours. Vous allez courir. Vous n'allez pas regarder derrière. Vous n'allez pas dire j'ai fait assez, j'ai fait assez. Vous n'avez pas encore fait quelque chose. Vous n'avez rien fait du tout. Vous voulez commencer. Je dis que vous voulez même commencer. Et maintenant, pas de regard derrière, pas de regard derrière, pas de traîner les pas, pas d'abandon, pas de peur, mais vous êtes en train d'atteindre, vous continuez d'aller et vous irez et vous allez réussir au nom de Jésus. Vous devez être plus fort que jamais, vous devez être plus courageux que jamais, vous devez être en mesure de combattre le bon combat de la foi, plus que vous n'avez jamais combattu au nom de Jésus. Vous devez combattre avec beaucoup de distance pour la foi qui a été commise au sein au nom de Jésus. Certains des amis que vous avez maintenant peuvent penser que le feu du réveil dans votre âme, le feu du zèle qui est en train de brûler maintenant dedans de vous, ils vont dire que c'est trop pour eux, c'est trop pour eux. Certains de ces amis vont vous laisser par eux-mêmes. Au revoir, au revoir, au revoir et au revoir pour ces gens. Que quel que soit l'ami qui ne va pas vous accepter comme vous êtes, qui ne va pas vous accepter, que vous vous engagez au Seigneur et que vous vous donnez complètement. Il va dire que c'est trop chaud pour lui et que c'est trop sérieux pour eux et qu'il est trop zélé pour le Seigneur pour eux. Ils vont dire qu'ils vont te laisser. Il faut leur dire au revoir simplement. J'ai choisi de suivre Jésus. Y a-t-il quelqu'un là-bas? Au revoir. J'ai choisi de suivre Jésus. J'ai décidé de suivre Jésus. Moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Pas de retour. Pas de retour. Le monde derrière moi. La croix devant moi. Pas de retour. Pas de retour. Que les amis me s'opposent à moi. Malgré ça, je vais suivre. Pas de retour, pas de retour. Je sais que le Seigneur est en train de préparer une autre place pour moi. Et par tous les moyens, je vais aller là-bas. Pas de retour, pas de retour. Un esprit, quelques faiblesses au-dedans de toi là-bas, qui va faire que tu vas regarder, considérer, retourner en arrière, que le Seigneur chasse cet esprit au nom de Jésus. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3. La dernière partie du verset 8. Le 18. 3, 18. Il dit nous tous. Combien parmi nous? Combien? Et vous savez, l'idée de certaines personnes, ils vont dire, vous savez, dans une église, il y aurait des gens qui sont sérieux. Il y aurait des gens qui ne sont pas sérieux. Ça, c'est la volonté de Dieu, ça? Mais nous tous, vous savez, il y a certains qui disent, il y a des gens qui vont prendre la parole et qui vont le faire comme cela se doit. Il y a certains qui ne vont pas complètement prendre la parole comme cela se doit. Mais tout en fait, nous tous, il dit qu'il y a des gens qui seront en feu pour le Seigneur, réveillés pour le Seigneur.
Et ils seront en éveil pour le Seigneur, servir le Seigneur. Ils vont courir la course, mener la course et renouveler les déterrés. Ils vont dire, mais il y a d'autres personnes aussi qui doivent être là, qui ne seront pas aussi forts. Et ils seront là en train de retarder derrière. Pourquoi cela doit être vous qui doit rester derrière? Il dit verset 18. Qu'est-ce que vous lisez dans verset 18? Est-ce que vous êtes là? Qu'est-ce que vous lisez? Dites-le encore. Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés. Nous tous sommes transformés. Les hommes et les femmes, nous tous sommes transformés. Les anciens et les nouveaux, nous sommes tous transformés. Ceux qui sont âgés et ceux qui sont encore jeunes dans le physique, nous sommes tous transformés. Ceux qui ont été là depuis longtemps, ceux qui viennent d'arriver et qui écoutent ce message de vie, nous sommes tous transformés en la même image. Nous tous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Le changement est venu. Vous allez rentrer dans la nouvelle année avec un nouveau zèle, avec une nouvelle force, avec un nouveau courage, avec un nouvel militant. Vous êtes un grand militant pour le Seigneur de Jésus. Tous ceux qui vous confrontent par l'avant et que vous êtes un coureur, un peureux, sur le point de tomber, les choses vont encore venir et vous allez tenir ferme. Ça, vous êtes une armée de soldats qui vont sortir de ce camp. Tous les murs de Jéricho tomberont devant vous. Tous les démons vont fuir devant vous. Toute maladie sera guérie par la parole de votre bouche. Vous allez tenir ferme. Nous allons passer à travers les villages, les villes, les écoles, les hôpitaux, les prisons, partout dans ce pays, partout dans ce continent. Et quand nous partons, Satan va tomber. Les démons vont tomber. Les puissants des ténèbres vont tomber. L'évangile sera prêché et les captifs de Satan seront délivrés, relâchés de la main de ces captifs, de ces tyrans au nom de Jésus. Quand vous sortez, vous partez, il y a un mur de feu qui vous entoure. Ce qui ne peut pas me toucher ne peut pas vous toucher. Ce qui ne peut pas m'affaiblir ne pourra jamais vous affaiblir. Ce qui ne peut pas me confronter ne peut pas vous confronter. Tel père, tels enfants, je continue d'être debout, vous allez continuer d'être debout. Vous serez changés. Je dis vous serez changés, transformés. Une nouvelle vie, une nouvelle vigueur, un nouveau zèle, une nouvelle puissance, une nouvelle autorité, une nouvelle audace, un nouveau courage. Vous êtes transformés en la même image, de gloire en gloire, et par le Jésus, l'Esprit. Levez-vous maintenant, recevez quelque chose de nouveau. Levez-vous, recevez quelque chose de nouveau. Une nouvelle puissance, un nouveau courage, une nouvelle compréhension, un nouveau zèle, un nouveau feu. Le réveil dans votre âme, le réveil dans votre âme, la détermination dans votre vie, Rien ne va vous fléchir, rien ne va vous conquérir. Partout vous allez et que vous foulez votre plante des pieds, le Seigneur vous l'accorde. Personne, aucun homme, aucune femme, aucune fille, aucun occulte, aucun groupe occulte ne peut se tenir devant toi tous les jours de ta vie. Tel qu'il a été avec Moïse, tel qu'il avait été avec Josué, tel qu'il a été avec Daniel, tel qu'il a été avec Joseph. Il sera avec vous. Il est avec Étienne. Il est avec Pierre. Il est avec Philippe. Il le fut avec tous ceux-là. Lorsqu'il était sorti, il sera avec vous. Les pharisiens vont t'entourer. Les sadduciens vont t'entourer. Tous ces gentils, les païens vont vous entourer. Et vous allez continuer de tenir. Et vous allez dire, je vais courir.
Vous allez courir, vous ne serez pas fatigué. Vous allez œuvrer, vous ne serez pas tomber, vous n'allez pas tomber. Vous allez tomber, vous allez aller de l'avant, aller de l'avant dans le champ, et vous allez atteindre les âmes et aller atteindre la plénitude de la stature du Seigneur Jésus-Christ. Vous n'allez pas tomber. Un nouveau jour s'est levé. Une nouvelle force est venue à vous. Tenez ferme. Œuvrez et courez.